Bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien chez vous. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Je vais faire des spaghettis à la carbonara. Donc là, j'ai un demi-paquet de spaghettis. C'est pas un paquet, c'est un demi-paquet. Là, j'ai l'oignon que j'ai coupé en deux. Donc, c'est un demi. Là, j'ai ma crème fraîche liquide de 15%. Là, j'ai deux œufs. Là, j'ai râpé mon fromage. Là, j'ai mon bacon. Là, j'ai mon fromage parmesan. J'ai le sel, l'huile, le poivre noir et ma muscade. Alors, on va commencer avec la première partie. Je vais vous montrer. Donc, je vais d'abord mettre mes spaghettis au feu. Après, je vous montrerai comment est-ce que je fais ma sauce carbonara. C'est facile et rapide. À tout à l'heure. Alors, là, dans ma petite marmite, j'ai mis de l'eau. Je vais attendre que ça puisse bouillir. Je vais mettre un peu de sel avec un peu d'huile pour que mes pâtes ne puissent pas se coller. Donc, voilà, je vais vous montrer. Je vais mettre un peu de sel. Attendez. Je vais mettre... Pas trop, hein. Un peu de sel. Je vais mettre un peu d'huile. Un tout petit peu seulement, ça va. Comme ça. Après, je vais attendre que mon eau puisse bouillir. Après ça, je mettrai mes spaghettis. Donc, on s'ouvre. Donc là, c'est bon. Mon eau est en train de bouillir. Je vais mettre mes pâtes. Je ne vais pas les couper. Donc, je vais laisser comme ça. Et après, je vais attendre au moins 10 à 15 minutes pour que mes pâtes puissent bien cuire. C'est bon. Là, c'est bon, mes spaghettis sont prêts. Mes pâtes sont prêtes. Je vais les descendre, je vais les rincer. Et après, on passera à l'étape suivante. Donc, voilà. C'est très, 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 très prêt. À tout à l'heure. Là, c'est bon, j'ai fini avec mes pâtes. Je vais mettre un peu de jus dans ma marmite. C'est mieux d'utiliser l'huile d'olive, j'en ai pas, donc j'utilise de l'huile de tournesol. Et là, je mets mes boutons. Je vais attendre un tout petit peu, je vais les griller au fait. Ça va cuire un tout petit peu. Je vais diminuer mon feu, hein, un peu doux pour ne pas les cramer. Pour ne pas que ça brûle. Donc voilà.
Donc là, c'est bon, je vais ajouter l'oignon que j'avais coupé. Je vais attendre aussi que mon oignon puisse cuire. Je vais mettre un peu de sel. Voilà. Je mélange le tout. Un peu de muscade, un peu. Je vais mettre le poivre noir. Je vais mélanger le tout. Si vous avez aussi de champignons, hein, vous pouvez toujours mettre des champignons, des crevettes. C'est comme vous voulez. Là c'est bon. Là c'est bon pour moi. Je vais mettre ma crème fraîche liquide. Je vais mettre mon fromage râpé. Voilà. Voilà, j'ai mis voilà ma crème fraîche. Ma crème elle est presque prête. Voilà. Donc voilà. Je vais éteindre mon feu et puis laisser reposer au moins quelques minutes pour mettre les œufs. Donc voilà. Je vais mettre mes œufs que j'ai déjà cassés là.
dessus parce que c'est trop chaud. Vous savez, avec la chaleur et les œufs. J'attends encore. Et c'est bon. Voilà ma sauce. Ça fait une belle couleur. J'aime bien cette couleur. J'aime bien. Voilà, je vais mettre dans mes pâtes. Et voilà, je veux servir. Je vais servir. Voilà, c'est prêt. Je vais servir mes pâtes. Je te vois tout à l'heure. Donc voilà le résultat. Mes spaghettis sont prêts. Là, je vais mettre le fromage plutôt parmesan que je vais râper au-dessus, comme ceci. Voilà. Voilà. Et après, voilà, je mets ma persil ici juste pour la décoration. Voilà, c'est bon là, c'est fini, c'est prêt à manger. Donc voilà pour aujourd'hui, on finit par ce plat, ce bon plat. C'est rapide à faire si vous êtes pressé, si vous n'avez pas envie de vous tracasser, de manger du poulet ou en tout cas, faites-le chez vous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et surtout de partager. Et mettez en commentaire si le jour, si vous arrivez un jour de le reproduire chez vous. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous avez trouvé le plat. On se voit à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Bye bye.